J'ai lu dans le Télégramme qu'il y avait une nouvelle aire de jeu qui s'ouvrait à Gouesnou. Et cette idée d'une aire de jeu inclusive était dans notre programme lors des dernières municipales. Et donc j'ai sauté sur l'occasion pour contacter la mairie de Gouesnou et venir découvrir cet équipement. J'ai été agréablement surprise par les différents équipements, la façon dont ils s'intègrent au niveau paysager et aussi la proximité avec une école, une halle des sports. On voit des photos, mais là, de voir les équipements en vrai, c'est complètement différent. Et de voir la fonctionnalité et surtout d'entendre les témoignages sur l'occupation du lieu, les échanges entre les enfants, enfin, c'est vraiment un lieu extraordinaire. Qui draine une population largement plus large que celle de Gouesnou et même de Brest Métropole. Alors, ce nouvel équipement a été pensé vraiment dans une volonté de travailler sur l'inclusion, puisqu'on avait déjà travaillé sur la mise en accessibilité des équipements communaux. On avait vraiment cette volonté de travailler maintenant sur de l'inclusion au sens large. Et le travail sur l'aire de jeu est arrivé dans ce cadre-là. Donc en parallèle, on a mis en place un comité de pilotage avec les familles concernées. Et donc on a travaillé dans une concertation avec des usagers, avec aussi les services de la métropole qui ont été très impliqués dans ce projet. Et je dirais que ça s'est déroulé un petit peu naturellement et rapidement puisque tout le monde était vraiment très partant dans ce projet. Cette aire de jeu était importante pour nous pour créer du lien, pour favoriser le vivre ensemble et faire aussi en sorte que les familles puissent, le temps d'une journée, d'une matinée, d'une après-midi, avoir une parenthèse où elles se retrouvent, où les enfants jouent ensemble, où on échange des conseils, où on se rencontre tout simplement et on y trouve de la vie. C'était un objectif vraiment, celui du vivre ensemble. Nous avons eu des retours positifs et vous savez que ce projet a été réalisé en concertation après une consultation très large des familles concernées et nous avons cherché à l'améliorer, donc nous avons eu plusieurs visites sur site pour poursuivre l'aménagement, quel type de banc, quel type de table qui d'ailleurs vont être installés pour que chacun puisse y trouver son compte finalement. Alors aujourd'hui l'aire de jeu fonctionne. Maintenant, il y a plein d'autres projets dans le domaine de l'inclusion qui vont venir s'y ajouter. Donc déjà, autour de l'aire de jeu, quelques équipements supplémentaires, table de pique-nique qui permettra l'accès aux personnes en fauteuil également. D'autres équipements qui ont été demandés par le conseil municipal des enfants, donc un baby-foot, je crois, une table de ping-pong. Différentes choses qui vont venir agrémenter cette aire.